Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, on unbox la Blissim du mois de février, fin janvier. Il ne s'agit pas de ma box, la box que j'ai payée, puisque j'ai de nouveau la chance d'être ambassadrice Blissim ce mois-ci, enfin mois de février. Donc ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une box que je vais prendre grand plaisir à vous présenter. Alors je n'ai pas du tout suspendu mon abonnement, donc je paye toujours ma box Blissim. Et comme vous le savez, cette box-ci sera mise en concours, mais en février lors de l'unboxing de ma box. Mais j'avais quand même envie de l'unboxer avec vous et de vous la présenter. À l'endroit c'est mieux. Voilà le design de la box ce mois-ci. J'aime beaucoup. J'ai essayé d'être raccord dans le côté animal et côté make-up. La box ce mois-ci s'appelle « C'est qui la boss ?» Je ne sais pas. Vous, moi, nous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Blissim, je vous ai tout mis en barre d'infos, mes Vainé et Vainéo. Et si vous voulez participer au prochain concours, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et activer la petite cloche de notification pour louper aucune des vidéos. Petite parenthèse, ce mois-ci il y aura deux concours. Il y aura la box Blissim à remporter et la Aloha box de février. Je l'ai déjà préparée, elle est dans le thème un petit peu rose Saint-Valentin. J'ai fait mon max et notamment cette palette avec des petits cœurs, voilà, jusqu'au bout du détail. Je vous présenterai le concours, la Aloha box, le jour de la Saint-Valentin, je pense le 14 février. Donc ce mois-ci, vous êtes gâtés, il y aura deux concours. Le petit speech est fait, on va pouvoir unboxer la Blissim du mois de février. Et oui. On retrouve le livret et un autre livret. Donc ça doit être le livret, tout à fait. Et ici on a un petit fascicule. C'est un petit peu comme un bullet journal, vous savez, avec des to-do lists. Ça m'a l'air un petit peu girl power, avec des challenges, des mindsets. Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien, je vais l'utiliser. Ici, on peut coller notre photo. Maintenant, on n'imprime plus trop nos photos, mais pourquoi pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on lise le petit édito qui va bien ensemble. Parfois, il nous manque juste une petite dose de confiance pour booster notre self-esteem et devenir la boss qu'on rêve d'être. En février, on prend ensemble le pari qu'on va enfin oser se faire entendre, s'assumer et s'aimer. Cette box, c'est un appel à la girl boss qui sommeille en nous et qui ne demande qu'à être réveillée grâce au conseil avisé de « C'est qui la boss ?». Club des Girl Boss vous aide à provoquer votre propre succès à travers d'un compte Instagram au contenu motivant et d'un podcast inspirant. Ce thème m'inspire beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme vous vous doutez bien, il n'y aura pas de swatch parce que tout ça, tous ces produits, c'est pour vous. Alors, déjà, ce que j'attrape, c'est un bonus. C'est un parfum, c'est Lady Mulligan Paco Rabanne. Il est très connu ce parfum. Donc c'est un échantillon de 1,5 ml eau de parfum. Je ne sais pas si vous connaissez ce parfum, si c'est votre parfum, dites-le moi en commentaire. Mais en règle générale, Blissim glisse des parfums de façon aléatoire dans les box. Donc c'est possible que vous ne receviez pas celui-ci en particulier. Mais l'attention y est, ça c'est cool. Je vais attraper le produit, le choix du mois Blissim. Donc rappelez-vous, je vous avais communiqué l'info en post communauté ainsi que sur Instagram. On avait le choix entre deux blushs liquides de la marque Blumy. C'est une marque qu'on reçoit de temps en temps dans les box, surtout chez Blissim. On avait le choix soit entre la teinte pêche, soit la teinte rosée. Perso, moi j'ai sélectionné la teinte pêche par rapport à ma carnation. Et ici, vous avez la teinte
pêche également, donc c'est cool, je suis spoilée. Elle s'appelle Oh là là, le blush crème Sweet as Peach, 8,5 ml. Franchement, c'est pas mal comme format parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Dites-moi si vous êtes adepte des blushs crème liquides. Alors, j'ai un peu de mal à travailler les blushs crème, les blushs liquides parce que j'ai des imperfections et ça les marque de suite. Mais bon, vous savez que dès qu'il y a du make-up, je suis contente. Donc, c'est le crush de C'est qui la boss avec un petit hashtag. C'est un full size. Ce blush qui ne bluffe pas, il ravive l'éclat de votre teint en un claquement de doigts, aussi facile à dire qu'à faire. Son effet, sa texture crème vous apporte un fini naturel et glowy au doux parfum fruité pour un teint frais et velouté. Je suppose qu'il sent la pêche. On verra ça lors de mon unboxing. On adore sa formule Made in France, green et clean, composée à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pas une découverte puisqu'on a fait notre choix. Finalement, je suis très contente que ça soit un full size. Je valide. Prochain produit que je vais attraper, bah, c'est un produit de la marque Respire. Donc Respire, c'est une très très bonne marque. Je l'ai retrouvé chez Monoprix. J'étais assez surprise, agréablement surprise. C'est une marque française, green, bio, cosmo-organique, et tutti quanti, et spécialisée dans les produits solides. Je ne suis pas une adepte des produits solides et je devrais m'y mettre parce que vous m'avez donné énormément d'astuces et de conseils. Alors ici, c'est un shampoing solide, convient à tout type de cheveux. 94% d'ingrédients d'origine naturelle, made in France, c'est ce que je vous ai expliqué. Your body is magic, take care of it. Je me répète, mais je ne comprends pas pourquoi c'est une marque française qui va nous sortir des slogans en anglais. Sniff. À l'intérieur, il y a de l'huile d'amande douce bio pour des cheveux nourris en profondeur, de l'huile de caméline bio, je ne connais pas la caméline. Pour des cheveux doux et protégés, de l'huile d'avoine, ça c'est un super ingrédient. Pour des cheveux pleins de vitalité et un parfum lait d'amande aux notes gourmandes. Il fait 20 grammes. Alors je vais juste le sentir, mais je ne vais pas le toucher. Hein, comme ça, on est bien. Ça sent très très bon. Ouais, ça sent l'amande, mais pas l'amande amère, vous savez, l'amande douce. Je vous montre le petit savon. Il est comme ça, il est plat. Donc ça, c'est un produit capillaire. C'est assez varié pour l'instant. Le format vente est de 75 grammes. Ici, on a 20 grammes. Et si on disait oui aux cosmétiques solides ? Faudrait que j'y pense. Ce qui fait, ce shampoing est adapté à tout type de cheveux pour les nettoyer en profondeur et tout en douceur. Sa formule enrichie en huile d'amande douce pour nourrir, en huile de camélia bio. Bah oui, c'est camélia, c'est pas caméline, à moins que ce soit la même chose. Et si c'est le cas, j'ai appris quelque chose. Donc l'huile de camélia pour protéger et adoucir et l'huile d'avoine pour vitaliser. Il laisse une odeur gourmande sur vos cheveux. Bah écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Dites-moi si vous êtes adepte des produits solides, que ce soit en skincare, en cheveux. Paris risqué de mettre un produit solide, mais c'est bien, ça nous bouscule un petit peu, je dirais. Alors là, je vois un produit, j'adore cette marque. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce gommage visage, mais ici, il s'agit du gommage corps. Oh là, j'espère avoir ça dans ma sélection. C'est la marque Green Barbès, gommage corps au gingembre et agrumes. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, le format fait 30 ml. Ce gommage associe des grains de noyaux d'abricot, donc ça c'est bien, c'est pas des grains en plastique qui vont ruiner notre environnement. Donc, très bon point. Il contient des huiles végétales pour exfolier la peau tout en la nourrissant, pour lui donner souplesse et douceur. Je vais voir si je peux sentir. Non. Alors, c'est operculé. Je n'arrive pas à distinguer d'odeur. Sniff. C'est le cas de le dire. Ouh, je suis en forme aujourd'hui. Oh, super. Cette sélection est vraiment variée. Make-up, cheveux, corps. On dirait que c'est un petit format, mais si mes souvenirs sont bons, c'est pas donné comme marque. Le format vente est de 150 ml. Prix abonné 27,20€, c'est ce que je vous expliquais. Et non abonné 32€. Pour un gommage, c'est assez onéreux. Un cocktail de gingembre et d'agrumes vitaminés pour tonifier votre corps. Ce gommage formulé avec des grains de noyaux d'abricot et d'huile végétale pour exfolier délicatement la peau tout en la nourrissant. Composition vegan, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Noté 93 sur 100 sur Yuka pour faire peau neuve en douceur. Une peau douce, plus souple et pleine d'énergie. Il préconise de l'utiliser une à deux fois par semaine. Oui. Alors moi, en gommage corps, je suis plutôt sur une fois par semaine. Je sais pas vous. Non mais vraiment, j'aimerais vraiment avoir ce produit dans ma sélection. Oh, super contente. Je dis ça, mais c'est votre box.
Taratata. Laura, calme-toi, ne t'enjaille pas non plus. Allez, what's next? Alors, c'est de la marque Sève. Donc, on reçoit très souvent cette marque. Mais là, ce n'est pas le pur paradisi. Alléluia. Ici, c'est un sérum botanique booster d'éclat anti-tache. J'espère avoir ce produit aussi parce que je vous ai expliqué que j'ai des taches qui apparaissent. Est-ce que c'est dû à l'âge ou je ne sais pas. Là, c'est de la gamme Perfect Pizoom. Qu'est-ce que c'est que ça? On convient à tout type de peau. Le format fait 12 ml. Booster d'éclat, je suis en plein dedans avec vitamine C, etc. Je suis vraiment contente qu'il se produise dans votre box. Hein. Et si moi, je ne l'ai pas, bah, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Le format vente est de 30 ml. Et je trouve que c'est un bon format pour Blissim, regardez. Pour moi, ça me paraît plutôt convenable. L'heure de se réconcilier avec sa peau a sonné. Adieu taches et mines ternes. Bonjour teint pur et radieux. Oh, comment j'ai envie de te tester, toi. Ce qu'il fait, ce sérum botanique surconcentré corrige et prévient l'apparition des taches de toute origine. Soleil, marque d'imperfection, vieillesse. Je coche la case vieillesse parce que je ne prends pas le soleil. Je n'ai pas d'acné. Ça me fait un petit coup au moral, là, non? Tout en illuminant votre teint. Ces actifs brevetés à 95% d'ingrédients d'origine naturelle protègent votre peau des agressions extérieures pour une mine plus uniforme et éclatante. Et ben ça, c'est un super produit dans la box. Selon Bibi, bien sûr. Cool. Et enfin, il nous reste un dernier produit. Et on a un mot dans la box. Je vous lis le mot et on regarde le dernier produit. Au cas où personne ne te l'aurait dit aujourd'hui, tu es belle, forte, exceptionnelle et capable de tout accomplir. Blissim avec C'est qui la boss? C'est le genre de mot qui fait du bien. On devrait se le dire plus souvent à nous-mêmes et pas attendre que les gens nous le disent. Voilà, c'est ma petite philosophie à moi. Du coup, dernier produit, c'est de la marque Imparfaite. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Je vous ai présenté des produits pendant les Vlogmas. Parce que Blissim, encore une fois, m'avait envoyé des produits de la gamme Imparfaite à tester. Donc cette crème hydratante, je suis sur la fin. Et ce sérum booster d'éclat, m'aurait jusque là. Voilà. J'utilise tout le temps, je le combine avec un autre sérum à la vitamine C, Olay Ericsson. Et donc ici, oui, c'est un contour des yeux. Franchement, si je le reçois dans ma sélection, j'ai une bonne routine imparfaite. La petite perso, j'aime beaucoup cette marque. Alors, c'est vrai qu'on la reçoit très souvent, peut-être trop souvent dans les box, notamment Blissim, mais j'ai jamais eu de flop. Hein, surtout avec la crème de nuit, oh là là, très cocooning. Bref, Laura, tu t'égares. Soin contour des yeux pour regard radieux. Le flacon fait 15 ml, donc ça, c'est un full size, parce que les contours des yeux, et croyez-moi mon expérience, c'est du 15 ml. Donc c'est un gel crème fondant à base d'acide hyaluronique et d'eau florale de bleuet. L'eau de bleuet pour les yeux, bah, y a rien de mieux. Acide hyaluronique, bah, ça va bien hydrater votre contour des yeux, surtout s'il est un petit peu sec. Vous pouvez l'appliquer matin et ou soir. Moi, ça serait plutôt le matin pour illuminer. Oh, quoique, si je veux briller dans mon lit, y a pas de souci non plus. Donc ce contour des yeux format 15 ml, c'est bien ça? Yes, j'avais raison. C'est un full size. J'ai gagné un point ou je sais pas. N'importe quoi. Alerte météo, un vent de fraîcheur souffle sur votre regard. Ce gel crème contour des yeux hydrate et apaise cette zone sensible en atténuant l'apparence des cernes, poches et ridules. Sa compo, une formule fondante et rafraîchissante enrichie en acide hyaluronique et en eau florale de bleuet pour défatiguer et illuminer le regard. Vous avez été nombreuses à me dire de mettre mes produits contour des yeux au frigo. C'est ce que je fais. Merci pour l'astuce, ça décongestionne, c'est hydratant, ça fait du bien, mille merci. J'adore vos astuces, continuez comme ça. Donc c'est ce que je disais, appliquer matin et ou soir, tapoter de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, comme ça. Il est noté 100 sur 100 sur Yuka. Waouh. L'unboxing est terminé, on passe à la petite conclusion qui va bien. Il y a moyen que tout se casse la figure, vous me connaissez, je suis ultra maladroite, appelez-moi Pierre Richard. Voilà la sélection, donc on a 5 produits plus 100 bonus, et c'est super varié comme sélection. Make-up, skincare, cheveux, corps, et c'est assez inclusif, ça peut convenir à tout le monde. Donc je suis ultra contente de pouvoir vous mettre cette box très bien fourni en concours. Et ça peut même convenir aux garçons qui me regardent, qui me suivent. Je vais pas mettre de notes, hein, c'est une box concours. Par contre, quelle sélection! J'espère avoir une sélection aussi cool.
hein, parce que le mois dernier, votre sélection, enfin la boxe Aloha Box, était mieux que la mienne. Mais quoi qu'il en soit, bravo Blissime. Bah, je suis très très contente d'avoir unboxé la Blissime, même si c'est un petit peu tôt. Je suis toujours très contente de pouvoir organiser des concours pour vous remercier d'être là, de me soutenir sans cesse, de me donner des astuces et surtout votre gentillesse et bienveillance. Je referme la petite boîte pour vous. Comme je vous ai dit en début de vidéo, restez bien connectés puisque je lancerai le concours dans ma vidéo Unboxing Blissime, ma sélection. J'ai hâte de découvrir ce que Blissime me réserve. En tout cas, ce qu'il vous réserve, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez quand même en commentaire me dire si vous avez hâte de participer ou non. Et en tous les cas, il y aura la Aloha Box Saint-Valentin. Cet unboxing est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que vous en aurez pris plein les yeux, c'est jamais, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à shaker la noix de coco comme d'habitude. Et si vous passez par là et que vous souhaitez participer au prochain concours, concours au pluriel, abonnez-vous, hein, parce que ça fait très plaisir, ça m'aiderait beaucoup aussi. Et comme ça, vous devenez une veinée ou un veinéo. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez vraiment grand soin de vous. Et oui.